Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux carrosseries de la marque Graphil. Ici, c'est la GTL Speed. J'ai déjà fait un certain nombre de vidéos pour présenter le travail de préparation de cette Gulf Replica que je suis en train de faire. Voilà. Alors, on rajoutera quand on aura terminé cette carrosserie. Là, il me reste le vernis intérieur. Il me reste à enlever les protections de vitres, à enlever le film extérieur, ce film blanc là. Tout sera enlevé. Et il nous restera à appliquer quelques stickers de la marque. Alors, on ne mettra pas les feux puisqu'on a positionné ici des stickers intérieurs. Par contre, sur la partie arrière, ici, on aura la sortie d'échappement, les feux arrière. Il y aura quelques aérateurs qui doivent arriver ici et là, sur le côté de la voiture. Et on aura à l'avant, ici, une calandre là, qui viendra sur la face avant, sur le bouclier avant, voilà, pour venir terminer cette Graphil GTL Speed. Alors, je l'avais évoqué, je l'avais abordé dans une précédente vidéo, c'est le projet que je ferai par la suite, toujours pour soit la BMT, soit la Mugen MGT7. C'est le projet Graphil GT8 Vision. On a ici une supercar. Alors c'est une forme assez originale. Ici on a un genre d'aileron de requin sur toute la partie arrière de la voiture. Voilà, ça donne une aérodynamique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors je ne sais pas ce que ça donnera sur le circuit. Mais au niveau du look, ça risque d'être vraiment bien. On a les formes pour découper, hein, évidemment. On aura un travail de préparation comme sur la GTL Speed. On fera le même travail. On a également un aileron qui viendra sur la partie arrière. Alors il va falloir ici l'ouvrir pour permettre de le positionner sur l'alignement. Pour que ça passe à ce niveau là. Voilà, mais on a une forme et une aérodynamique assez exceptionnelle. Il faudra qu'on prépare tout, hein, évidemment, les trous, le calage, la préparation de l'aileron arrière pour voir comment on le positionne. Et ensuite on attaquera un thème. Je pense que ça sera le BWT. On y reviendra. On aura également ici une planche de stickers dédiée à la GT8 Vision. On a des feux extérieurs. Alors là, je pense qu'on mettra cela. On a d'autres stickers derrière. Voilà. Et pour toutes ces carrosseries, c'est le dernier élément que je vais préciser. Je mets à l'intérieur, alors on va le voir sur la GTL Speed, ici au niveau des perçages, pour protéger la peinture quand on viendra la positionner sur le châssis, je mets ici des protections, alors c'est autocollant, adhésif, c'est souple, c'est pré-percé, et ça vient se positionner ici. À l'intérieur, moi je les mets sur chaque trou, comme ça les appuis n'abîment pas la peinture à l'intérieur de la carrosserie. Voilà pour les deux prochains projets. Terminer la GTL Speed et préparer la nouvelle GT8
Vision. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.